J'ai toujours voulu lire Cent ans de solitude. Étant donné que je ne lis pas vite, j'ai longtemps repoussé le moment de m'attaquer à ce gros pavé. Mais on m'a tellement dit que c'était trop bien, je connais tellement de monde qui le place dans son top 3 des livres les plus mythiques, que j'ai été vraiment content de m'y plonger enfin. Oui, et finalement, c'est ça la beauté de ce club de lecture, c'est qu'il nous donne enfin l'occasion de nous plonger tous ensemble dans ce livre-monde. Livre-monde, oui, c'est le cas de le dire. Ça reste un livre vraiment imposant, avec une densité qui peut parfois décontenancer. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, on voudrait vous dire ce qu'on aurait aimé savoir avant de l'entamer. En l'ouvrant, il a une allure assez traditionnelle, hein, ça a l'air historique, ça parle d'une famille et de guerre. On pourrait presque le mettre dans la catégorie des livres académiques. Pas forcément passionnant, mais on s'y colle parce qu'il faut. Pourtant, dès la fin du premier chapitre, on se rend rapidement compte qu'on s'est trompé. Vous allez voir, Cent ans de solitude, c'est un ouvrage qui possède ce truc très particulier des chefs-d'œuvre. Ce truc qui nous fait dire « Ah ouais ?» Tous les livres ne sont pas pareils. Certains sont vraiment différents, inventifs, extraordinaires. Le mot qui pourrait le résumer, c'est d'ailleurs plutôt bizarre. Oui, c'est que ce livre, c'est pas vraiment un roman en fait. Il a pas vraiment d'intrigue, il a pas vraiment de personnage principal, il obéit pas aux lois de la physique, il se déroule pas dans une ville que vous connaissez, il présente pas des personnages que vous comprenez non plus. Ce livre, c'est votre grand-père étrange qui s'assied près de la cheminée pour vous raconter des histoires étranges situées dans un monde étrange. Et vous êtes sur le point de vous endormir, et vous ne savez plus si les personnages appartiennent à l'histoire ou s'ils naissent de vos rêves. Cent ans de solitude est un roman du Colombien Gabriel Garcia Marquez, publié en 1967. C'est l'histoire d'une famille. Celle fondée par Ursula et José Arcadio Buendía dans un village de la jungle colombienne qu'ils ont construit et qui s'appelle Macondo. Cette famille, on la suit sur cette génération, du début jusqu'à la fin. On y rencontre 22 Aureliano, dont 17 sont frères, 4 José Arcadio, un seul Arcadio, mais aucun José tout seul. Une Ursula, une Amaranta et une Amaranta Ursula, entre autres. Certains membres de la famille feront la révolution, puis des poissons en or. D'autres feront fortune avec des poissons en sucre. Une banane repoussera et disparaîtra dans le sang. Certains passeront des années attachés à un châtaignier. Une peste rendra toute la famille insomniaque et amnésique. Il pleuvra de façon continue pendant 4 ans, 11 mois et 2 jours. Et tout cela semblera parfaitement sensé sur le moment. Tout comme ce titre et cette histoire de solitude, pas évidente au premier abord et pourtant centrale. Car dans ce roman laboratoire, Gabriel Garcia Marquez n'observe pas seulement comment se transmettent les prénoms, il suit tout le fil de l'héritage, des traumas et des croyances. Il nous permet d'assister à la construction, en accéléré, d'une histoire familiale, avec ses mythes, ses secrets et leurs conséquences. Alors certes, tout n'est pas toujours dans l'ordre, mais tout est très, très bien raconté. Dès la première page, je veux dire dès le premier paragraphe, il y a déjà plusieurs histoires qui démarrent. Un cliffhanger, des irruptions inattendues, ce livre ne commence pas par 20 minutes d'exposition comme dans les mauvais films américains. Il démarre par cette phrase qui est plus dense que tout ce que j'ai pu lire. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Qui est le colonel Aureliano Buendía? Que fait-il face à un peloton d'exécution? Et qu'est-ce que c'est que cette glace? Mais surtout, quelle émotion est-ce que ça me cause d'imaginer un homme sur le point d'être fusillé et qui se rappelle un lointain souvenir d'enfance avec son père? Ce livre est tout entier marqué par cet art du conteur, par une profusion permanente d'événements étranges et merveilleux et qui foisonnent tout au long de ces 20 chapitres qui sont autant de contes traditionnels, de récits qui s'entrecroisent. Quand j'emploie le terme de merveilleux, je signifie que, au milieu du naturalisme, c'est-à-dire d'un récit tout à fait quotidien de personnages comme vous et nous, eh bien, il y a du surnaturel, des choses proprement incroyables et que pourtant les personnages reçoivent comme étant tout à fait naturelles. Cette cohabitation est si expertement manigancée qu'on a donné à ce genre littéraire, popularisé par Gabriel Garcia Marquez, le nom de réalisme magique. C'est que, dans un roman, vous trouvez pêle-mêle des tapis volants, des personnages qui vivent 120 ans, des gitans magiciens, la peste de l'insomnie, et au milieu de tout ça, la Sierra colombienne, l'impérialisme américain attentivement détaillé, une interminable guerre civile entre les deux grands partis politiques de la Colombie, etc. Sauf que ce qui est pour nous étrange, lecteurs et lectrices, c'est que cette profusion, à mon avis, elle est volontairement organisée par le narrateur. Il fait exprès de mettre le bazar.
Il revient sans cesse en arrière, ou il file vers l'avenir. Il présente un certain nombre de personnages qui portent tous le même prénom. Il précise rarement combien de temps s'écoule vraiment entre deux événements. Son réalisme magique n'est pas là pour faire joli, et on voudrait ensemble chercher pourquoi. Donc, 100 ans de solitude peut être pris comme un recueil de contes. Mais il y a quelque chose de plus qui s'agrippe au lecteur. Une sorte de malaise. La magie, le narrateur qui fait le détaché, bref, le « il était une fois », ça n'enlève rien à la gêne qu'on peut ressentir quand vient affleurer par touche l'horreur sociale, personnelle, politique. Je pense que c'est peut-être une des choses auxquelles il faut le plus prêter attention dans ce roman. La façon qu'il a de nous attraper au moment où on s'y attend le moins, sans crier gare. C'est là que le bizarre fait le mieux son travail. Il nous fait passer de l'imaginaire au réel et finalement nous oblige à nous positionner moralement face à une fiction qui a bien l'air de se moquer de la morale. Évidemment, ce qui est le plus frappant, c'est les fois où les figures de contes, les monstres ou les géants, sont envisagées de façon réaliste. On se demande alors ce qu'on est en train de regarder. Plus globalement, c'est le corps des personnages qui rend l'expérience de lecture si bizarre. Ces corps sont malmenés, tordus, découpés. La sexualité elle-même est envisagée de façon crue et toujours dérangeante dans ce village marqué par l'inceste. Mais le meilleur exemple de la dérangeante réalité de ce conte, c'est la solitude qui est évoquée par le titre. C'est un motif qui revient tout au long du roman et on peut facilement passer à côté si on n'y prête pas attention. Le livre est peuplé de vieillards qui sont terriblement seuls, de fous et de folles qui n'ont aucun contact réel avec le monde, de militaires qui doivent empêcher quiconque de les approcher par peur d'être assassinés, et même de fantômes qui sont reclus dans une pièce, dans un coin du jardin. Tout n'est pas horrifique. Il y a mille histoires frappantes par leur drôlerie et leur beauté, comme celle du prêtre qui lévite en buvant du chocolat chaud. Mais c'est sûr que si par moment on a l'impression d'être dans un épisode de Tintin ou de Lucky Luke, on est plutôt dans l'univers des tableaux de Jérôme Bosch, comme celui-là, ou bien celui-là. Une fois qu'on a lu les premiers chapitres, on finit par se poser la question. Qu'est-ce que Gabriel Garcia Marquez essaie de nous dire à travers ces contes qui n'en sont finalement pas. En fait, si vous êtes comme nous, ce que je ne vous souhaite pas, et que vous ne connaissez pas bien l'histoire de la Colombie, ben vous pourriez passer à côté d'un important sous-texte. Et il faut bien admettre que le fait d'avoir un texte traduit en français et vanté par des Français pourrait faire oublier que l'auteur a grandi à 10 000 km de chez nous, dans un pays qui est bien différent du nôtre. En fait, Gabriel Garcia Marquez n'invente rien. Son récit est hanté par l'histoire bien réelle de son pays. D'abord, l'invasion espagnole, dont les historiens s'accordent à dire qu'elle a décimé environ 90% de la population native. Macondo, où se déroule le livre, est grandement inspiré de son village natal, Aracataca, dans le nord du pays, où, comme les personnages du livre, l'auteur a vécu avec difficulté le poids de la collectivité, du regard des autres, d'une société traditionnelle dans laquelle l'individu n'a pas vraiment de place. Tout au long du livre, également, il y a la toile de fond de la guerre civile entre le Parti libéral et le Parti conservateur, avec des personnages, d'ailleurs, qui changent régulièrement d'allégeance. Tout ça recouvre une vraie réalité historique d'une guerre interminable qui a couru pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et même l'exploitation des ouvriers de la plantation bananière, c'est une vraie histoire. Une industrie américaine qui a tenu le nord du pays d'une main de fer et qui a réprimé la grève dans le sang pour, sans rire, exporter des bananes à bas prix. Doesn't that look good? Yes, and it's nourishing too. Bref, ce livre n'est pas une affabulation déjantée permanente. C'est un ouvrage fondateur et politique dans lequel les lecteurs et les lectrices de la Colombie lisent leur propre histoire. Et les États-Unis ne s'y sont pas trompés, d'ailleurs, qui ont pendant des décennies interdit à Garcia Marquez de venir dans leur pays. Et puis, enfin, d'ailleurs, même ce réalisme magique, il n'est pas inventé de toutes pièces. D'après ce qu'on a compris, il témoigne du rapport que les populations colombiennes entretiennent à la réalité, et qui est bien loin du matérialisme européen. C'est un pays où l'Église est encore une institution pleine de pouvoir. Et ça en dit long sur le poids dans l'imaginaire collectif des formules de malédiction, ou bien du don de préscience. En somme, ce livre est un océan qui peut facilement déborder du vase des lecteurs et des lectrices. Alors, comment s'y prendre pour l'aborder? Eh bien, à notre avis, tranquillement. Pour éviter l'indigestion, nous conseillons de ne pas le prendre comme un roman ordinaire à lire d'une traite,
Nous pensons qu'il a été écrit pour qu'on puisse se plonger dans un chapitre à la fois, le soir, avant de s'endormir, pour laisser la famille des Buendia vous peupler. Quitte à s'y tenir, 20 soirs pour 20 chapitres. Dans la lecture qui va suivre, la communauté a subi la courte dictature d'un enfant du village, jusqu'à ce que Ursula, la mère de la famille Buendia, vienne le raisonner et remettre de l'ordre dans le village. Elle cherche du réconfort auprès de son mari, José Arcadio, qu'on a attaché à un arbre sous un auvent de palme parce qu'il devenait fou et que sa folie devenait dangereuse. À compter de ce jour, ce fut Ursula qui commanda au village. Pourtant, en dépit de l'énergie dont elle faisait preuve, elle ne cessa de pleurer sur son infortuné destin. Elle se sentit si seule qu'elle rechercha la vaine compagnie de son époux oublié sous le châtaignier. « Regarde où nous en sommes arrivés, » lui disait-elle. Cependant que les pluies de juin menaçaient d'effondrer le petit auvent de palme. Vois la maison vide, nos enfants éparpillés de par le monde, et nous deux à nouveau seuls, comme au premier temps, toujours assis sur son petit banc. Elle baignait successivement chaque partie de son corps en lui donnant des nouvelles de la famille. Aureliano est parti pour la guerre. Cela fait déjà plus de 4 mois et nous ne savons rien de lui, lui disait-elle, en lui frictionnant l'épaule avec un torchon trempé dans l'eau savonneuse. José Arcadio est de nouveau parmi nous. C'est maintenant un homme fait, plus grand que toi, et tout brodé au point de croix. Mais il n'est revenu que pour jeter la honte sur notre maison. Autant parler à un mort. Car José Arcadio Buendia était hors d'atteinte de toute préoccupation de ce genre. Mais elle insista. Elle le voyait si inoffensif, si indifférent à tout, qu'elle résolut de le détacher. Il ne se leva même pas de son petit banc. Il continua à demeurer exposé au soleil et à la pluie, comme si les cordes n'étaient pas ce qu'il avait retenu attaché au tronc du châtaignier, mais quelque force supérieure à toute entrave visible. Vers le mois d'août, alors que l'hiver commençait à s'éterniser, Ursula put enfin lui apporter une nouvelle qui paraissait vraie. Figure-toi que la bonne fortune ne veut décidément pas nous laisser en repos, disait-elle. Amaranta et l'Italien au piano mécanique vont se marier. Qu'est-ce que 100 ans de solitude finalement ? Un roman historique ? Un recueil de contes bizarres ? Peut-être aussi un récit mythique ? Pour Gabriel García Márquez, le temps est une machine cyclique qui emporte les individus dans son tourbillon. Et le monde ressemble au fond à un vaste cirque où les événements se répètent indéfiniment alors que les familles sont réellement broyées. Il y a un peu de Zola dans son temps de solitude. Toute la famille Buendia, comme celle des Rougon-Macquart, est comme maudite. Et quoi qu'elle fasse pour écarter l'infamie de sa maison, elle finira par être détruite. À la peur hygiéniste de la dégénérescence racontée par Zola, Márquez répond par une angoisse métaphysique, celle d'un combat perdu d'avance contre la monstruosité qui est en nous. José Arcadio Buendia aura beau essayer de maintenir quelque chose de son humanité en partant à la conquête de nouveaux mondes, de nouvelles techniques, de nouveaux objets magiques, ses descendants finiront de toute façon avec une queue de cochon. Cela aussi passera. C'est la leçon ancestrale que les récits du grand-père semblent nous répéter. Mais nous savons aussi que ce n'est pas parce qu'une chose dure dans le temps qu'elle est belle. Et chaque personnage mène une lutte formidable et insensée contre ce qui est plus fort que lui. Le village a beau avoir attaché José Arcadio Buendia à un arbre, celui-ci trouve consolation parmi les éléments. Il a pris place parmi la pluie et le vent. Le dernier Aureliano et sa tante Amaranta Ursula ont beau avoir donné naissance à un enfant à queue de cochon avant de disparaître dans un ouragan divin. Ils sont les seuls personnages du livre à s'être véritablement aimés.